Oh, tu vas bien, mon chéri? Je t'embrasse de loin. Hein. Une cigarette, moi, j'aime pas ça. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Devine. Ah, moi, je connais pas les devinettes. J'oubliais, bon anniversaire. Ben, Bastien, t'as ta tête des mauvais jours. Qu'est-ce qui va pas, mon chéri? Qu'est-ce qui va pas? Absolument pas de courrier. J'étais même très étonnée parce que je pensais bien qu'il y aurait une de tes amies qui t'enverrait un petit mot aujourd'hui, pour tes 23 ans. J'ai une tête épouvantable aujourd'hui. Épouvantable. C'est bon. J'ai trouvé ça. Ça me déprime. J'ai éteint mon téléphone. C'est pour ça que j'étais en train d'écouter ma messagerie, je l'ai mis sur silencieux pour répondre à personne. Parce que t'as eu déjà beaucoup d'appels. Hein? Ouais, puis j'ai pas envie de répondre. Je sais pas quoi dire à part merci. Bah, t'as pas besoin de dire autre chose. C'est les coups de fil obligatoires. Qu'est-ce que tu as pas besoin? Non, les gens qui t'appellent, c'est parce qu'ils t'aiment. Bon, je suis sûre. Beau comme t'es. C'est sûr. Quand même, on s'est bien entendu. On a bien ri, surtout. Mais je te trouve que plus tu vieillis, plus tu deviens sombre. Ah, oh bah oui, mais t'es peut-être drôle avec tes copains, mais avec moi, t'es pas très marrant. Non, mais je suis fatiguée, c'est tout. Je sais que t'aimes pas ça, les périodes d'anniversaire. Tu verras, quand t'auras mon âge, c'est encore moins drôle. J'ai fait des courses, il y a des trucs à manger? J'ai mangé là tout à l'heure. Je voulais t'emmener au restaurant ce soir. Tu veux pas? Grand-mère, je sais pas si j'ai trop envie d'aller au restaurant. Bah, c'est une date, même si t'as pas envie qu'on la souhaite, cette date. Il reste des choses à manger en tout cas, si tu veux. Non, là, ça va, j'ai pas très faim. C'est toi qui as acheté le champagne? Oui. Bah oui. Mais oui, tu sais bien que j'adore boire du champagne, j'ai pas tellement le droit, mais... C'est une drôle de date, aujourd'hui. C'est toi qui lis Le Loup des Steppes, Hermann Hesse. J'aime beaucoup ce livre. Je veux pas rester longtemps, là. Je suis juste passé me changer. Pas de dîner ce soir, une autre fois? Pas de champagne? Non, ça me met trop mal, ça me renvoie. Enfin, je sais que t'es là, mais... D'avoir ni un coup de fil... Enfin bon, j'aurais bien aimé que... Papa donne des nouvelles. Papa... Il mérite pas tellement que tu dises papa. Il a oublié ce que c'était que papa. Tu veux aller au cinéma? J'ai besoin que tu viennes regarder mon spectacle de fin d'année pour me donner quelques petits conseils. Tu le fais tellement bien. C'est triste les anniversaires, mais il y a plein de raisons d'être joyeux. T'adores ta petite copine. Ça remonte à quand la dernière lettre de Pierre? Aujourd'hui, tu fais une fixation. J'ai pu. Tu sais, j'ai pas de souvenir de ça, moi. Hein. On a eu tellement de choses à faire ensemble, tous les deux, qu'on n'avait pas le temps de penser à quelqu'un qui nous a complètement laissé tomber. Et puis, c'est quelqu'un qui peut que te faire du mal. Je
regrette de dire ça, parce que c'est mon fils. Mais je le pense. Je te demande ça parce que j'ai cru... T'as cru quoi ? J'ai vidé la corbeille à papier tout à l'heure, j'ai cru reconnaître son écriture sur une enveloppe. Oui, il a écrit, c'est vrai. J'ai trouvé l'enveloppe hier. Je déteste ce qu'il a écrit. Oui, j'ai ouvert la lettre, je l'ai lue. Voilà. Je trouve que en ce moment, tu n'es pas bien. J'ai pas envie que tu le vois. Voilà, c'est tout. Pourquoi tu m'as pas prévenu ? Je sais pas, c'est parce que j'ai pensé que t'étais pas en état de le voir, c'est tout. Mais quoi penser ? Il écrit pour qui la lettre ? Ne pas me prévenir. Et en plus laisser l'enveloppe qui traîne, mais au moins si tu la caches, mais cache-la bien. Non, mais j'ai oublié. Mais cache-la bien. Bah oui, je suis désolée, j'ai oublié d'enlever l'enveloppe, j'ai fait une erreur. Et moi je rentre. Elle est où la lettre ? Je te trouve en mauvais état. Elle est où la lettre ? Elle est là-haut. Va la chercher, s'il te plaît. Où ça ? Dis-moi. Va la chercher, s'il te plaît. Va la chercher. Je vais la chercher moi-même. Je vais la chercher. Est-ce que tu crois tellement que tu vas bien en ce moment ? Tu vois ça ? Merde ! Putain, pourquoi tu fais ça ? T'as pas le droit de faire ça, surtout le jour de mon anniversaire ! T'as pas le droit de faire ça ! T'es la seule en qui j'ai confiance. T'es la seule qui m'a pas abandonné. Pourquoi tu me fais ça? Pas toi. Pas toi, non, pas moi. Calme-toi. Tu vas chercher la lettre pour... Calme-toi. Calme-toi, c'est ça que je voulais éviter. Il veut te voir. Tu vas chercher la lettre. Tu te crois capable? Va chercher la lettre. Ensuite, calme-toi. Regarde-moi, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Dans quel état tu es en ce moment? Regarde-toi. La voilà la lettre de ton père. Je te l'aurais donnée de toute façon. Merci. 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 Merci d'être là. Je veux pas qu'il vienne. Il viendra pas. Je vais y aller.